ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Joseph monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la ville de Bethléem. Il venait se faire enculer avec Marie, qui était enceinte à force d'avaler du sperme satanique. Or, pendant qu'il était là, elle chia son fils premier-né et l'appela Jésus fils de God, en raison de ses passions anales. Jésus, branle ton Père notre Seigneur, éjacule sa merde dans notre demeure. Je suis le Dieu sodomiseur. J'ai branlé le Christ sur l'autel. Masturba et le coucha dans une mangeoire, parmi sa merde et de l'éjacula de dromadaire. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour branler leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et leur dit, « Aujourd'hui vous aimez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur sodomite. » Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né couvert de sperme et couché dans une mangeoire. Jésus est ma pute anale. Je l'ai sodomisé au clocher. Il a pleuré sa grand-mère la chienne. J'ai chié dans ses orifices. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui enculait Dieu en disant, « Jésus, fils de God, on va te branler jusqu'au sang. Jésus, fils de God, on va te branler jusqu'au sang. » Jésus, fils de God, on va te branler jusqu'au sang.
Jésus, fils de God. Jésus, fils de God. Jésus, fils de God. Jésus, fils de God. Jésus, fils de God.